Au 1er septembre 2018, 230 laboratoires Armat sont opérationnels dans toutes les régions de la République d'Arménie et de l'Artsakh, avec plus de 5350 enfants qui en bénéficient. Je peux utiliser la perceuse et dessiner des parties d'un robot. Nous travaillons sur des jeux et nous occupons du design. Je crée des jeux en utilisant le langage Scratch. Je travaille avec le langage de programmation HTML. J'aime faire de la modélisation 3D ainsi que la plateforme de contrôle Arduino dans les clubs Armat. J'essaye de me mettre au niveau des enfants lorsque je travaille et ne me présente pas à eux comme un professeur, mais plutôt comme un ami. Au club, j'ai appris à croire en mes propres forces, à avancer et ne jamais abandonner. Plus tard, je deviendrai soit un ingénieur aéronautique, soit un programmeur. D'après une étude réalisée par Grant Thornton, 84% de ses élèves font des études supérieures. 82% d'entre eux préférant les champs des sciences naturelles en spécialité informatique et technique. 43% des élèves travaillent dans une start-up ou en ont monté une. L'augmentation de l'activité économique dans le secteur des technologies de l'information va conduire au développement des autres secteurs de l'économie, au développement régional, à l'arrêt de l'émigration et la promotion du rapatriement, à la formation d'un nouveau genre de leader et d'entrepreneur. Je crée des modèles 3D, des animations 3D et travaille sur des petits films d'animation. J'ai créé un système automatique de sonnerie d'école appelé Clever Sentry. C'est un robot qui suit une ligne, qui peut également éviter les obstacles et rechercher des éléments. Nous sommes de Sisian. Nous créons des polices de caractère. Vous pouvez voir un exemple ici. J'ai modélisé une maison qui était le rêve de mon ami. J'ai créé le jeu Augmenter l'espoir avec mon ami Vahe. C'est un jeu de tir d'action futuriste. Ensemble, nous avons travaillé sur trois projets. Le premier projet a gagné la deuxième place durant le concours Digicam. Et le dernier, la start-up Logotech, a gagné la première place en Arménie et la huitième place au concours international organisé par la NASA, NASA International Space Apps Challenge. Nous avons gagné la deuxième place dans le concours Seed Stage au Sommet Startup à Sevan en 2017. Les buts de ce projet sont développer l'éducation en technologie, encourager l'orientation professionnelle des écoliers, avoir un développement équitable des technologies dans toutes les régions, inspirer le patriotisme et l'adhésion à la mère patrie. Today I'm here in Armenia to... Aujourd'hui, je suis ici en Arménie pour féliciter Armat, qui a remporté le prix d'excellence de développement durable. En 2020, nous devrions déjà avoir 3 000 emplois de développeurs en plus seulement grâce à Armat. Et en 2023, ce nombre sera de 10 000. Le salaire moyen des diplômés d'Armat âgés de 18 à 19 ans se monte à 270 $. Dans le cas où l'investissement peut se faire dans toutes les écoles, la part de PIB sera de 617 millions de dollars. Armat, l'algorithme du futur.